La viande. Ah, fils de pute! Pardon. Non, non. Je sais pas si t'as vu. Tu lui as fait un claque, gros. Non, mais les chiens, ils ont masse PV, t'arrives jamais à les toucher, ils te spam d'attaque, donc tu peux rien faire. C'est bon, c'est mon pire cauchemar, les chiens. Lui, le louison, il se mange toujours les mines. C'est des chiens morts-vivants ou c'est juste des chiens? Il y a les deux. Là, c'est un mort-vivant, je crois. Qu'est-ce que c'est? Modification. Des munitions. Doublure isolante. T'as vu, tu peux mettre des modifs et tout. Attends, j'en bière déjà. Dans ce style de jeu, t'as toujours les munitions, mais t'as jamais les fusils. Portée. Et quand t'as le fusil, tu tires un chargeur, il s'enraye. Portée. Voilà, tiens. Pour le réalisme, alors que bientôt il y aura plus d'armes en France que de munitions. Non, mais là ça va, là. C'est parce que les armes, tu vois, faut trouver les caisses. Ouais, c'était un mort vivant, lui. S'il était en train d'essayer de me croquer, j'ai fait pouf, tiens, croque plutôt ça. Je suis infecté. J'ai la jambe pétée. J'ai l'estomac en sueur. Je porte trop de choses. Et quand t'es infecté, tu meurs obligatoirement ou... Petit à petit, tu vois là le symbole là, Biohazard là. Ouais. Bah ça, il va monter petit à petit. Jusqu'à 100% et à 100% tu te transformes en zombie. Mmh. Et tu meurs pas forcément, attends. Regarde, justement j'étais content d'en avoir trouvé des antibios. Résistance aux maladies, donc en fait ça fait que ça monte plus. Ça c'est les vitamines, pardon. Les antibios c'est les pilules blancs et bleues. Les pilules blancs et bleues elles t'enlèvent genre un gros pourcentage d'infection. Le miel il t'en enlève un petit peu, j'en ai encore du miel en réserve. Donc c'est le moment ou jamais de le bouffer parce que sinon après ce sera trop. Sinon c'est les pilules bleues qui t'enlèvent une grosse partie. Et les vertes elles t'empêchent juste de monter. Elle t'empêche juste de prendre plus en fait. Et c'est possible de le supprimer carrément? Ouais. Ouais, avec Bah avec les antibios. D'accord. Là tu vois, je suis tellement lourd. Je vais prendre les vitamines. Après il y a les antidouleurs, mais ça c'est. Ça défonce ta soif. Et si ça te fait guérir des commotions cérébrales, tout ça. Ouais, non, du café. Tiens, je vais le prendre. Ça me fait mon hydratation en plus. Bon. 0,7, bah putain, ça monte vite. De quoi? 0,7, bah putain, ça monte vite. Ouais, là, c'est parce que je me suis pris des belles gifles quand même. Fils de... Pardon, mais non, mais pourquoi ça me fait toujours peur? Putain, ça c'est toi là-bas. Oh, mais... Mais tu vas mourir combien de fois pour mourir pour de vrai? Oh le bâtard! Mais t'es qui toi? J'espère que t'es mort cette fois-ci, hein. J'ai vu son pote derrière là. Enfin son pote. Plus pour longtemps. Oh, franchement, quand t'as ce genre d'arme dans les mains, t'as vraiment envie de lâcher des punchlines avant de tirer. Hein. Non, pas de l'autre bout. Merci. Ça va être la nuit. Ah bah tiens, deuxième fois que j'ai ça, là, l'amélioration de pénis. Oh bah, l'autre s'il laisse des balles comme ça sur son tiroir. Oh là 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 là. Même, en vrai, même les armoires à fusil, tu trouves pas d'armes. Souvent, tu trouves des pièces d'armes. Peut-être que maintenant ça a changé, mais tu trouves pas d'armes. Mais justement, mais c'est ridicule ce genre de logique. Ou est-ce que tes armes sont... Enfin, les armes sont ultra rares, ça même. Alors qu'en vrai, genre, à chaque... Irréel, à chaque maison, bientôt, tu vas en avoir une. Aux États-Unis, ouais. Bah, en France, il y a 30 millions d'armes. Ouais. Justement, les gens les ont sans doute embarquées. Oh non, c'est pas les lunettes de geek. Dans leur tombe. Voilà. Embarquées dans leur tombe. Oui. Même ces gens en fuyant, ils sont morts avec leurs zombies. Avant, tu pouvais trouver des armes sur les zombies, sauf que maintenant, tu peux plus les looter, les zombies. Parce que ils ont dû se cramer avec des. Parce qu'en fait, les zombies ils peuvent te donner absolument. Enfin, à peu près n'importe quel objet. C'est juste qu'ils sont ultra rares à voir, certains. Sauf que bah, du coup, ça faisait que tu te faisais une horde de zombies, tu trouvais un flingue, quoi. Donc, je pense qu'ils ont arrêté de faire ça parce qu'ils se sont rendu compte que c'était broken. Par contre, je vais arrêter. Je vais attendre l'illusion parce que la nuit j'aime pas trop ça. Wesh. Mais je suis rentré par là. Ah non, je suis rentré par la cuisine, la fenêtre là.
Par la cousine. Par la cousine. T'as vu, même dans le jeu, il y a le temps que les yeux s'habituent à la lumière et tout ça. Bon, par contre, je suis vraiment un gros porc là, mec. J'ai l'impression d'être sur Fallout 4. Hein. La maison qui a cramé. Toi, j'ai l'impression d'être un gros porc, moi. It's not only an impression. Débris de verre. Oh non, faut pas que je monte ça à Louison. Oui, quand il voit du verre, il mange. Ouais. Oui. Ouais, tu peux le manger, tu peux le manger. Le verre. Ouais. Pour te suicider. Pour, pour te suicider. Ouais. Oh non. Oh non. Oh, cette fois-ci, j'ai de quoi t'accueillir, mon gros. Quoi? En plus, je vais moins vite que lui. Oh, on peut plus reculer là. Oh non, il y a son pote derrière. Pardon. C'est un runner, moi ça me fait paniquer les runners. Ah, fils de pute! Non! Non! Pas câlin! Oh, le gros sac que je suis! Au secours! Mec, j'ai peur. Moi je dis qu'il faut, dans ce moment-là, il faut appliquer la technique secrète des Joestars. Courir. Mais là je cours là. Non, mais je sais. Faut abandonner. Mais non, t'arrêtes pas, Billy. Je mange tout. Mange. Jette les œufs. Jette la plume. Des graines de yucca, ça c'est bien. Les bouts de verre, en vrai. Les bouts de verre, j'hésite. On va manger les antidouleurs. Voilà, ça devrait aller mieux, là, déjà. Là, ça va un peu mieux. J'aime bien comment les jeux, ils te mettent une dépendance aux médicaments, genre, oh, t'es devenu accro aux médicaments juste parce que t'en as pris un. Genre sur Fallout, c'est ridicule, tu te fais une picouille, c'est bon, t'es direct dépendant aux médicaments. C'est ridicule. Voilà, là ça va, là. Y'a rien et tout ça. Mais d'ailleurs, je devrais pas tirer comme ça parce que je vais attirer tous les zombies de la map sur la ville. En vrai, les flammes de la torche, elles sont bien faites. Hein. Ouais, bah c'est pas comme avant. Hein. Pardon? C'est pas comme avant. Mais là, tu sais, tu te plains de la nuit et tout, mais avant, mec, fallait constamment, jour, la nuit, un casque de mineur. Parce que sinon, tu passais ta vie à faire torche, puis quand tu te bats, tu sais, t'es en mode, ok, le zombie, il est là, tu prends ton arme, tu tires au pif en espérant le toucher. C'était ça, hein, vraiment. Je fais une invocation, Alexis, toujours parmi nous. Il démarre son PC. Pardon ? Il démarre son PC. Pom 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 pom, je suis Alexis. Je suis Alexis. Bouc. Au fait, Dorian, tu sais ce que je vais goûter là ? Attendez, j'arrive. C'est une crêpe avec du métal là. Ta gueule. Alexis, j'arrive. Mec, je suis tout seul à minuit 30 là. Donc, c'est à dire qu'à tout moment, je rencontre un zombie qui court. Et je mets des coups de tromblon. Meilleure idée quoi. Je fais le partage. Ouais. Ok, go. J'aime pas être seul comme ça la nuit. Quand maintenant ça va, mais avant, mec, j'arrivais même pas à démarrer le jeu. Genre, quand c'était la nuit, je faisais bon, attends, Louison. Oh, 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 ça pue sa mère, mais j'adore quand ça pue. J'ai les grenades si jamais on va leur montrer le respect à ceux-là. Putain, mais il y a des trucs de crochetage plus que d'autres. Ah pardon. Alors, je rappelle, tous les cris sont sincères. Hein.
Mais déjà, t'as un cri de zombie, j'ai l'impression que je vais crever alors que dans le pire des cas, il me met juste une gifle et puis c'est tout. Enfin, encore, dans le jeu, c'est des aspirateurs. Là, j'ai l'impression que ça va mieux, mais avant, quand il te mettait une gifle, genre 2 gifles sur 3, t'étais avec un effet d'assommement, donc en gros, tu voyais flou et tu pouvais plus te déplacer. Et c'est comme ça que Luizon mourait tout le temps et que moi je crevais aussi, mais bon. Luizon il pétait les câbles du coup, il était en mode mais putain. Oh là, ça c'est flippant ça de voir un zombie comme ça là. Par contre, ça aussi c'est flippant. Ah mec, regarde. Je sais pas où il est l'autre. Oh, il est là. Non, il y a son pote, il est encore vivant. Non. Ah. Il meurt. Ah bah oui. Tu vas crever toi. Non mais je rigolais. Non mais je rigole. Mais prends pas, c'est pas le moment. Non, y'en a d'autres qui viennent de l'extérieur. Tu dis quoi toi? Ah. T'es là Bastien? Non. J'ai pas du tout paniqué, d'accord. Je vois pas de quoi tu parles. Mais que j'ai fait un 3-6 sur un zombie, il m'a giflé 3 fois. J'ai rien compris. Ah, d'accord. C'est quoi ça? Casque. Oh. Il a l'air vénère ce casque. Personnage. J'ai oublié ma tête. Ouais. Bah il joue. Ah ouais. Ça fait moins péon hein, quand même. Ça fait plus Deus Vult. C'est ça. Plus Gladiator, je dirais même. Allez. Qu'est-ce que... Oh, mais regarde où il spawn, quoi, mec. Bonjour. T'es pas un témoin de Jéhovah, t'es une infirmière. Qu'est-ce que... Elle s'en prend au sol. Ouh. Ou alors... T'as 2 flèches dans les yeux. Rallez-moi, par contre. C'est du vol, madame. Merci. L'autre elle faisait la machine à laver là. J'ai cru qu'il faisait jour alors que c'était marqué 2h du mat. J'ai fait eh. Il y a beau Covid dans le micro-ondes. Ouais, c'est vrai que c'est commun ça. Putain. Clé à molette. Chienne des enfers. Comment je fais pour vous rejoindre? Bah via Steam. Tu me rejoins. Comme sur tous les jeux. Genre quand tu joues à Brolala via Steam ça marche. Bah là c'est pareil. Non mais, arrêtez de vous cacher dans les placards. Bordez la bite. Oh j'ai peur. Mot de passe. Saucisse. Mec je suis tout seul dans le noir avec des zombies. Ah pardon, dans une maison. Mec j'ai rallumé la lumière, il y avait un fils de pute. Il y avait un bonjour. Mais crevé. Non, y'en a encore un! Mais parce que moi, on a compris. Non, mais dehors! Ouh! Wesh! Ah, il a droppé des balles! Qu'est-ce que. Ah, bah d'accord, vous m'aidez à ouvrir la porte. Oh, Alexis, rejoins moi, je t'en supplie. Tu me dis quand t'as spawn? Donc la première fois que tu vas charger, ça va être long parce que tu... Attends, en fait, tu... Mais j'ai tapé saucisse et ça veut pas. Mais c'est parce que tu sais pas écrire saucisse. Exactement. S-A-U-C-I-S-S-E-S. Bah non, y a pas de... C'est pas plusieurs saucisses, y en a qu'une seule. Mais même sans le S ou... S-A-U-C-I-2-S-E. Alexis, S-E-C-I-S-E. Voilà, saucisse. Ça c'est... Attends, je vais pas monter parce que là, l'autre qui est derrière, il va... Ouais. J'ai plus confiance aux armoires. Oui, enfin. Oh, il est... Ça va me rejoindre sur 7 Day to Die, hein. Je t'ai trouvé un tromblon, Louison. Je me suis réveillé il y a une demi-heure. Tu te fous de ma gueule. J'en ai marre. J'en ai juste marre. À vous, t'es découvert, Killer. À vous. Je ne répondrai pas à cette question. Alors, t'es de coucher à 9h du matin. Je t'ai nettoyé le quartier, hein, putain.
Je vais voir sur Minecraft, il va avoir des trucs, ça va pas être légal. Non mais putain. Le pire, c'est que je suis même pas allé sur Minecraft. J'ai embarqué une chaise de bureau. Dans ma poche. Bon Alexis, quand t'arriveras à rejoindre, tu me diras, je vais t'expliquer comment on fait pour se trouver et tout. Un pot. Pardon. Fils de... De quoi des impôts? Ça commence déjà. Non, un pot. Genre le pot. Non, grenade. Je m'as fait exprès, désolé. J'ai vu des flammes sortir de la pièce. Oula, ça lag. J'ai fait quoi? Et j'ai rien fait, voilà. Putain, j'ai 2 FPS. Et le jeu, allô? Ça va aller. Massage cardiaque. Ce qui me fait, c'est que lui, il a 2 FPS, mais nous, de notre côté, en fait, ça change pas tellement, c'est dégueulasse. Oui, j'ai eu les lights à mettre sur les flingues. Mais qui quoi? T'es qui, toi? Ah ouais, toi, t'as vu, toi, t'es mort en ayant une grosse chiasse, ça se voit. Ah non, mais... Ah oui, non, eux, ils sont relous. Fais gaffe. Comment ça, ils sont relous? C'est juste un skin parmi tant d'autres. Wesh. Bah, ils sont plus résistants, ceux-là. Attends, tu veux voir s'il est plus résistant? Vas-y. Oh, t'es trop blond. Mais oui, je t'en ai pris un pour toi. Oh, parfait. Oh, ouais, en plus, ça deuxième passe pas. Elles sont passées à faire. Dans le Domination, je viens de débloquer un M48 Phaton. J'en ai 3. Ouais, mais j'ai un 75. J'ai une batterie de 75, me demande pas pourquoi. Ta gueule. Oh non, pas les rideaux. J'ai aussi une unité anti-char, me demande pas pourquoi. Ok. J'ai vu des choses. Les toilettes. Oh. Mais y'a plus de caca dans les toilettes. Genre les gens ils ont arrêté de chier avant l'apocalypse ou ça se passe comment? Bon, Alexis, du coup, quand tu rejoins, va falloir que tu ailles dans l'onglet joueur et tu m'ajoutes, comme ça tu peux voir où je suis et me rejoindre. Le sky. Oh, c'est quoi ces acouphènes, mais d'où sortir? Et du coup, j'ai récupéré ton stuff et je l'ai mis dans les coffres. Hein. Mec, j'ai spawn. Je suis mort à centre. Lol. Pourquoi? Parce que politique. Pourquoi? Ouais, attends, j'ai vidé 36 chargeurs de tromblon et y a des zombies qui étaient juste à côté. Ils s'étaient pas excités depuis tout à l'heure. Ils sont trop à l'écho. Vas-y, pétez la porte. Ouvre la porte. Oh, les trois, ils sont couchés. Eh, book. La parole universelle du sauce. 2 balles, on n'en parle plus. Moins 3. On vérifie. Confirmé. R.A.S. Allez, 86%. Oh. Y'a un poulet. Ah, le chargement de la map. Ouais, la première fois, c'est bon. Oh, vas-y, mec, il faut de la... J'arrête pas d'essayer d'en chasser, j'en trouve pas. Oh, enfin, le jour se lève. Oh oui. Donc dans le coffre il y a le tromblon pour toi, j'ai pas les mines par contre. Déjà que moi j'en ai pas trop. Ouais, j'en ferai. Ah mais y'a plus de quoi du coup. Mais j'en ferai. Par contre qu'est-ce que je trouve comme poudre à canon? Donc c'est facile, ça va. Regarde là, je suis sûr je vais en trouver avec ce que je viens d'avoir devant mes yeux. Hop. Ah bah pff, mieux. Mec, on a plus de 7,62 que tout le reste réuni quoi. Poulet. Pièce d'armure militaire. Yes. Non, ah, des balles encore. Du 7,62. Putain, mais c'est ouf le loot du 762, comment il leur a augmenté de ouf! Tant mieux que t'as eu plus. Je viens d'avoir le 762. Alors, normalement, le 762 c'est genre sur des cartes 98 ou des fusils à zéro. Ouais, c'est ultra rare. C'est automatique. Mais le 762 c'est pas, il est pas chambré en plutôt en Mauser? Si, justement. Ouais, c'est du 792 le Mauser. Oui, mais ce que je veux te dire, c'est que normalement c'est un fusil à zéro, donc t'es pas censé rafraîchir en fait. Cool. Donc pourquoi il donne autant de munitions? Bah écoute, le loot il a augmenté parce qu'avant c'était rare. T'as les AK-47? Ouais. Non, c'est la AK-47 c'est une 5x92. Non, enfin, c'est une 7,62. Non, c'est du 7,62 du coup. Tu confonds avec la M4 là ou quoi? Bah en fait, non, la M4 c'est du 5,56. Oui, c'est du 5,56. Oui, c'est du 5,56. Bah, pourquoi tu me parles de 5,56 alors? Bah, tu sais, je vais rien t'apprendre en disant que la K-47 elle a été basée sur STG-44. STG-44 qui était chambré en parce que l'Allemagne avait le Mauser. Deux secondes, ça charge. Je vous ai envoyé les demandes de groupe là, acceptez bordel. Parce qu'à chaque fois que vous mourrez, elle dispawn. Donc en 7,72 par
comment dire, en 762 par 92. Et puis après, quand les Russes ils ont fait la K-47, bah, ils ont fait avec ce qu'ils avaient, c'est-à-dire 762 par. Par combien? Je sais même plus combien. Désolé. Je suis en train de charger. Ouais, t'as spawn là. C'est pas une excuse! 762 par 102, je crois. Bon, pour utiliser les grenades, c'est pas une excuse. Clic droit pour l'allumer, clic gauche pour la lancer. D'accord. J'ai utilisé sans faire exprès en fait. Je l'avais dans mon inventaire, j'ai voulu tirer, sauf que bah j'avais en fait. Enfin, tu sais, j'ai voulu scroller sur le tromblon, sauf que j'ai scrollé sur la grenade qui était juste à côté. Grenade. Et ça m'a mis à 2 FPS pendant 20 secondes. Grenade. Bon, j'ai fait une modification parce qu'en gros, la maison, je pensais l'abandonner, mais je me suis dit que le sous-sol. Il pouvait être bien à défendre, du coup j'ai rajouté une porte à la descente du sous-sol. Ah, il y a toujours, mais comme je t'ai dit, il y aura toujours mieux, je pense qu'il faut s'en servir. Ah oui, il y a 100 fois mieux. Et tout à l'heure, parce que j'étais en partage avec lui, il a trouvé une ruine près d'un flanc de montagne, on aurait pu y faire une forteresse. Enfin, après, c'est peut-être Minecraftienne, mais. Ouais, mais à ce moment-là, autant refaire une 2-0, parce que c'est vraiment juste le sol et 2-3 murs qui tiennent à peine. Et j'ai eu un tromblon dedans. Ouais, mais t'avais un magnifique sous-sol après. Bah ouais, là, magnifique. Bah oui, mais là, il est magnifique aussi le sous-sol. Il est gigantesque, mec. C'est pour ça que je disais qu'il est bien. Parce que c'est comme un bunker en soi. Hein. Il est vrai. Pour faire la première nuit, c'est faisable. Après, les prochaines, peut-être pas. Enfin, tu sais, les nuits de 7 jours. Tu me dis, Alexis, parce que là. Après, fais gaffe, hein, s'ils ont eu le malheur de mettre à jour les zombies et qu'ils peuvent commencer à défoncer le sol, ça va être. Compliqué. Mais ils défoncent déjà le sol depuis toujours. Alors. Je suis dedans. Ils ont toujours défoncé le sol, ils ont. Donc regardez les coffres, il y a des trucs pour toi. Serre-toi. Mais pourquoi je suis mort instant quand j'ai join? Mais les coffres, genre, regarde dedans, il y a tout ce qu'il faut. Il est où mon stuff? Bah je t'ai dit, j'ai tout remis dans les coffres. Ouais, je crois qu'il me faut du coup. De toute façon, t'as rien perdu en mourant parce que t'avais déjà rien vu que t'étais déjà mort avec le chien. Ah, mais... Il a perdu un mourant vu que t'avais déjà rien. Donc fais-toi plaisir, regarde tout. Il y a des potis. Pardon. C'est une chaise de bureau. Du coup, je suis en train de réformer mon armée sur le billard. Donc... Aidez-moi. Ah, tu ferais mieux parce que c'est grave. Ouais, non, mais c'est bon, j'ai déjà reçu des menaces. Là, ça arrive pas. Ah bon? Mais je viens de recevoir une. Tiens, une ration pour toi là dans le coffre. Oh, non, mais lui, ils ont qu'on se mette bien clair. Quand je reçois des menaces sur un JDR, t'as beau me dire ah bon, n'importe quelle réaction de ta part, pour moi ça passera pas en preuve du ça peut pas être toi, tu vois. Tu peux faire le mec le plus surpris du monde, pour moi ça sera pas une raison que ça soit pas toi, si tu veux. Attention, bonne nouvelle, j'ai le schéma des lampes à mettre sur les flingues. Oh, parfait. Mais il stack les putains d'outils de crossage. Oui. Oh, tiens, j'ai ça pour toi. Conversation. Qu'est-ce que c'est cette merde? Un plastron. Tiens, tu vois tout en haut le schéma de canon scié, tu peux l'apprendre, moi je l'ai déjà appris. À chaque fois, je tape dans les trucs. Ah, voilà. Voilà. Donc, t'as pris ton tromblon. Il est où le tremblant? Je sais pas, j'ai chié tout ce que je pouvais. J'ai stacké si je pouvais, si j'avais la flemme. Là, mec, faut vraiment buter de l'animal pour qu'on torche la maison, parce que c'est infâme la nuit. Donc regarde, j'ai juste rajouté ça vite fait. Putain, mais les cartouches de fil à bon. Je pense qu'on peut mettre des petites bouilles de. Qu'on peut mettre des petites billes de ciment dans. Toujours pas dans le fusil à pompe. Ouais, donc en fait les sacs de ciment tu peux les péter, ça te donne du ciment, donc pour faire du béton du coup. Du coup faire notre propre bunker. Utilise, attends je mange, parce que là moi... This is a bolter. Ouais, j'ai rajouté ça là à gauche. Donc, je mange un max. Plus spammer. Ah ouais. Oh le jeu de merde. Parce qu'avant on pouvait spammer les portes littéralement comme dans Minecraft, ça allait. 10 centri 0%. D'ailleurs, moi je suis infecté encore. Hein. J'ai pris des vitamines, mais ça a pas grandement aidé. D'ailleurs, regarde, j'ai commencé à rénover le plafond. C'est la succession Sébastien. Mais c'est long. Là, le plafond, en fait, le faux plafond, là, tu sais, comme t'as dans les lycées et tout, bah, il voulait complète, ça ferait plus beau. Mais c'est long.
Et du coup, je l'ai menacé pour qu'il l'enlève, parce que c'était terriblement moche. Je sais que c'est perdre du temps et un gâchis de ressources pour rien, mais... Bah pas tant que ça, parce que moi je trouve que cette maison, là, ce sous-sol, on peut en faire notre chez nous. L'étage, on s'en branle et le... Tu sais, après on déménage tout au sous-sol. Genre là, le... au fond, l'espèce d'endroit en construction, le stockage, et puis là, l'endroit de vie, quoi. Doubt. Non, en vrai, non, si. Parce que du coup, c'est bunker, donc dans tous les cas, la première nuit, ils nous feront pas grandement chier à part par l'étage. Donc faudra tout défendre avec des balles. Ah ouais, mais le souci, c'est que quand il y a... Le souci, c'est que... Comment dire... Le... Je pense... J'ai un gros doute sur le fait que ce soit aussi... Ça vaut autant qu'un bunker, en fait. Ah, ça vaut pas autant, mais on s'en fout, c'est pour voir. Au moins, on se donne un peu de challenge, parce que... Donc, voilà. Maintenant, moi, je connais les nuits... Justement, rénover un bunker, c'est un challenge. Mec, je te rappelle qu'on avait passé une nuit dans un espèce de chalet dégueulasse qui était déjà en train de s'écrouler par lui-même. Hein. Tu te souviens la dernière fois qu'on a joué. Oups. Oui, oui, parce que Bastien, il y a une certaine physique dans le jeu, c'est-à-dire que si tu commences à battre tous les murs d'une baraque, elle va s'écrouler. Non, mais je sais, j'ai regardé pendant des années, c'est un détail. Bon, en réalité, j'ai regardé surtout le let's play de Fanta et Bob, mais bon, comme leur rythme de vidéo, c'est des années, bah... T'as pas tort. Oh, la vraie pelle, elle fait tellement de dégâts au sol. Oh, c'est un plaisir. Ouais, c'est... La vraie pelle, parce qu'il y a des fausses pelles. Bah, t'as les pelles que tu craftes. Oui. Sauf que j'ai trouvé une vraie pelle et genre le sol il va ultra vite. Je fais une tranchée là, ça va super vite. Ah oui, il faut faire une tranchée avec des pics au fond. Ça, ouais. Ça marche bien, ça. C'est ce que je fais. À court d'endurance. Ah putain, ça baisse l'endurance, ça. Avec l'autre qui est en train de faire cling cling en fond. Tu fais quoi là, Louison? Alexis, je crois qu'il est mort parce qu'il était pas loin de rejoindre et là il est dans le jeu depuis tout à l'heure. Mais j'ai rejoint. Mais qu'est-ce que t'attends pour m'ajouter? Je t'ai dit, va dans. Tu maintiens tab, tu vas dans joueur et tu m'ajoutes. Et là je vous. Et vous rejoignez toujours pas le groupe, vous me faites chier. Je vous envoie des invitations de groupe, acceptez-les, comme ça on se voit. Ouais, désolé Alexis, l'insulte est passée trop crème. Je peux pas cliquer sur joueur. Mais tu maintiens, tu vas sur le truc qui s'appelle j'ai joueur. Maintenu table. Et tu lâches tab après. Ah. Alors, je viens de trouver un. C'est aussi. Comment ça s'appelle? Un sac. Un sac qui était posé sur une. Comment ça s'appelle? Une. Saucisse. Une caisse tout en haut et genre le sac qui se voyait à peine. Merde, c'était oui. Les escaliers. Oh. Le sac qui se voyait à peine, regarde ce que j'ai récupéré dedans. Lol. Niveau 3. Tu sais qui c'est l'expert des arcs ici? Moi. Ouais, bah nique ta mère, il est à moi. Donc là je lui donne un trop blow, lui par et contre moi, il veut pas m'échanger. L'autre il veut pas m'échanger l'arc. Quel chacal. Bah le souci c'est que le tromblon je vais jamais avoir de mute quoi. Bah ouais, en fait j'allais dire l'expert des arcs sur Minecraft c'est moi, mais bon là on est sur l'événement donc on va éviter. Ouais. Moi de toute façon les seuls trucs qu'on passerait ça serait une pelle et une hache, alors bah raser le forêt. Bah raser le forêt gamin. Non mais sérieusement on est today c'est pour craft hein. T'as volé tout le bois. C'est le but. Il est où le bois? Ah il est là. Je prends tout le bois. Mais d'ailleurs moi j'avais mon bois là. Ah j'avais farmé plein de bois. Ah, moi aussi j'avais farmé plein de bois. Putain, moi j'ai tout sur moi mon bois que j'ai farmé. Bah, en fait, j'ai essayé de pas trop avancer, tu vois. J'ai coupé les arbres et tout autour. Du coup, j'avais 70 de bois, c'est génial. Je sais pas où ils sont partis. Ça revient vite, 70 de bois. Mec, en 15 minutes, je me suis fait 300 de bois. Autant, en fait je suis en train de me dire, autant les rôles d'Orient c'est des rôles qui sont longs mais au moins ils sont un minimum mélodieux. Mais moi quand je rôde, il y a vraiment que je suis en train de vomir un cancer. Ouais. Oh ce sniff. Allez maintenant, Descorp of Free, be like. Bah regarde ouais.
Non mais, si je dis quelque chose, c'est pour une raison. Alexis, tu t'en sors là? T'es à 2 km. Hein. Oui, je sais, je vois. Qu'est-ce que. Timber. J'ai vu l'ombre de ton arbre en train de s'écrouler de là où je suis, j'ai fait mais. Je me suis dit, y'a des avions de chasse qui passent ou. Oh là, putain, creuser ça épuise le perso en 2 secondes. Attends, tu veux qu'on coupe des arbres? J'arrive. On va couper des arbres. Je vais te couper toi. Non mais j'avais une grenade dans la main. C'est quoi la touche pour l'arc? Maintien R. Bon, moi ce qui me ferait rire c'est que de la seconde à l'autre vous me voyez me connecter et vous êtes en mode. Carreau d'arbalète. Ah, c'est pas des flèches, c'est une carreau d'arbalète. Ouais, bah oui, ce que j'ai laissé dans le coffre c'est pas des flèches, t'inquiète pas, hein, c'est moi le tireur à l'arc ici. Ouais, c'est. Il va arrêter de se vanter l'autre. Mais là, mais je me vante pas, c'est vrai, demande à Louison, j'ai toujours été le mec qui est en mode oh les arcs c'est trop bien, Louison est en mode ouais. Et moi je suis en mode mais non, mais toujours les arcs c'est trop bien, ça fait pas de bruit, ça attire pas les zombies, tu peux fabriquer des munitions à tout moment, facilement. Lui en mode ouais. Ouais. Take my hacker. T'as qu'on peut avoir de l'électricité? Bah justement, j'ai un générateur. Justement. J'ai trouvé un générateur, mec. Et oui, on peut faire des circuits électriques et tout, hein. On peut faire des pièges électriques, tout ça, il y a des caméras, des détecteurs. Viens brûler, pourquoi t'as brûlé de la viande? Bah parce que j'avais pas la recette pour la faire bouillir. D'accord. Au moins ça nous nourrit. D'accord. Elle allait pourrir dans tous les cas. Ouais. Et là maintenant j'ai la recette pour faire la viande bouillie. Toi tu l'as pas du coup.